Bonjour Sandrine. Bonjour Messmer. Ça va? Ça va bien et vous? Mais oui, je suis ici pour vous faire vivre l'aventure de l'hypnose aujourd'hui. Mm-hmm. Mais c'est pas vous que nous allons piéger, c'est Nikos. Oui. Vous êtes prête? Je suis prête. Parfait. Dites-moi tout. Inspirez. Je vais vous endormir maintenant. Dormez. 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 Instantané. Excellent sujet. OK. Parfait. Maintenant, Sandrine, concentrez-vous sur ma voix. Vous entendez ma voix. Sandrine, dans quelques secondes, vous allez retourner sur le plateau de 50 Minutes Inside pour enregistrer des lancements. Dans le texte, sur votre prompteur, il y aura le mot « tatouage ». Sandrine, à partir de maintenant, vous serez incapable de prononcer ce mot. Vous allez bégayer sur le mot « tatouage ». Chaque fois que vous allez prononcer ou entendre le nom Angelina Jolie, vous serez bêtement ennuyé par un moustique. Inside, vous l'avez sans doute remarqué, les Attends. Ne se cache plus. Les tatouages... Ne se cache plus. Vas-y, recommence. Okay, on recommence. J'arrive pas. Je vais pas le lire une fois. Et puis maintenant, le document d'Inside, vous l'avez sans doute remarqué, les tatouages ne se cachent plus. Que je le dise, on inverse. Oh, on va là, ouais, on inverse. Allez, on inverse, je commence. Voici maintenant le document d'Inside. Alors, vous l'avez sans doute remarqué, les tatouages ne se cachent plus. Lady Gaga et sa licorne sur la cuisse, ou encore M. Pokora, Brad Pitt et Angelina Jolie. Putain, attends. Qu'est-ce qui t'arrive? Une bête. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Vous n'avez pas vu, il y a un truc. Ça va? Ouais, il y a un truc qui tourne. En France, sur le début. Lady Gaga, sa licorne sur la cuisse, ou encore M. Pokora, Brad Pitt et Angelina Jolie. Putain. Il y a un truc. Mais je sais pas, il y a un truc. Ah. Pardon, pardon. Ça va? Ouais. Il y a une mouche. Bon, il peut pas, on peut pas inverser que ce soit Nikos qui... Putain, allez, il y a... T'inquiète pas, je le fais, je le fais. Ça va, voilà. Tu veux un verre d'eau? Non, ça va, ça va. Hein? Ça va. Tu veux que je t'emmène un verre d'eau? Non, non, ça va, bon. T'es un amour, ça va. T'es sûr? Ouais. La tête de Nikos. Bon. Tu le fais, Nikos. Ouais, ouais, t'inquiète pas. On y va, Nikos directement. Lady Gaga et Sally Conn sur la cuisse, ou encore Matt Pokora, Brad Pitt, Angelina Jolie ou Sandrine Quétier. Elle en a aussi quelques-uns. Aujourd'hui, pour les célébrités, ces dessins sur la peau sont devenus un véritable accessoire de mode chic et branché. Une tendance qui touche aussi leurs enfants et de plus en plus d'anonymes en France. Plus d'un Français sur cinq aurait déjà fait le choix de faire un tatouage sur son corps. Vous en avez un aussi, non? Vous ne cesserez de vous confondre en excuses dans un fou rire interminable. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qu'elle a? Vous donnez-lui un petit verre d'eau ou un bon bec. Elle est crevée, normal. Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, j'ai faim, je suis désolée, j'y arrive pas. Va prendre une petite pastille à la menthe. Non, je suis désolée. Oh, t'inquiète pas. Demandez une petite pastille à la menthe. Ça va? Ça va? Viens prendre une petite. Attends. Quand je dirai guacamole, vous allez dire guacamole avec un toc, avec les yeux qui tournent à l'envers, l'épaule qui monte. Belize, le nouveau trésor caché des stars. Alors, c'est un tout petit pays de 330 000 habitants coincé au sud du Mexique, entre le Guatemala et la mer des Caraïbes. Guacamole! Ça arrive, hein. T'as besoin de repos, Sandrine? Non, elle est bien, elle est cool. Elle est cool. Allez, passé au sud du Mexique. Maintenant, vous allez parler chinois. Et la mer des Caraïbes. Absolument. Ce que veut dire Sandrine Quétier, c'est que ce petit paradis, oui, ouvre ses frontières au peuple du monde entier. Allez, le Gatman style, Gatman style, Gatman style. Explication avec ces images. Merci. On va faire une pause, je crois, sérieusement. Qu'est-ce que t'as? Je n'arrive pas à contrôler, c'est énorme. Bonjour Nikos. Bonsoir. Mesmer, le fascinateur. Sandrine, ça va maintenant? Peur, ça va, Sandrine? Je ne contrôlais rien. Tu m'as fait peur. Bien dormi, je lui fais des programmations. Alors, le mot tatouage, essaie de le dire encore. Dormez, Sandrine, dormez. Mais je la reconnais pas. Restez debout, Sandrine. Non, c'est vrai. Mais vous êtes des... Non, mais... Vous êtes des cinglés. Allez, viens, maintenant. On va se réveiller avec le 1, le 2. Tu peux me la réveiller, s'il te plaît, sinon ça va mal se passer. Je te le dis tout de suite. Allez, très bien. Tout va très. Et tu me la refais comme avant, papa. Hein, oui, les parfaites, ça va mieux, là. Ouais. On va pas s'en sortir. Il n'y a pas de tournage, Nico. Mon but est de vous piéger, vous, à l'aide de Sandrine, qui était sous cyclone. Peut-être qu'il m'a été fait.